Vous êtes 300 enregistrés pour cet événement. On a l'honneur de vous dire bonjour et de vous souhaiter la bienvenue à cet événement qui a été organisé en collaboration avec le Centre international de formation de l'OIT. C'est un événement qui a le but de lancer le recueil de l'OIT qui va faire l'objet de notre discussion d'aujourd'hui, et on a le plaisir d'avoir plusieurs experts, des collègues de l'OIT, du HCR. Et merci d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Myriam Baudra, je suis senior officer. Je travaille auprès du Centre international de formation de l'OIT et j'ai le plaisir de faciliter cet événement, ce webinaire qui va durer 1h30. La langue de travail est l'anglais, mais vous avez l'interprétation en français et en espagnol. Vous trouverez le bouton pour sélectionner votre langue tout en bas de l'écran. Sans plus m'attarder, je passe la parole à Tine Stermoz, qui est conseillère spéciale auprès du BIT, et va vous souhaiter la bienvenue, elle aussi, et aussi faire une petite introduction. Je sais, Tine, qu'il est très tard pour vous. Merci d'être là. Vous avez la parole. Merci, Myriam, et bienvenue tout le monde. L'emploi et le travail décent pour les contextes de réfugiés et d'autres personnes déplacées. Et on va parler des principes directeurs et de bonnes pratiques. C'est un recueil qui a été publié en décembre 2020 dans l'anniversaire du Forum global pour les réfugiés. C'est la confirmation de l'engagement de la part de l'OIT. Pour ce qui est de la mise en place du pacte global pour les réfugiés. Il était important, à notre avis, d'organiser un événement pour cette publication pour souligner le succès de la collaboration, des collaborations pour cette première publication. Dans le cadre des différents efforts et du cours de formation qui a vu le jour il y a quelques mois avec 81 participants de 4 régions du monde, des participants qui venaient du ministère de l'Emploi, gouvernements locaux, organisations d'employeurs, de travailleurs, tout comme d'autres organisations internationales. Aussi, cette formation a été couronnée de succès. L'accès au travail décent est fondamental pour la protection des réfugiés et des personnes déplacées pour consolider leur sens de la vie et aussi leur dignité. La force, la résilience est liée à la possibilité de jouir de droits humains, sociaux, politiques et des chemins ouverts vers la justice sociale. La structure tripartite de l'OIT, tout comme toute l'expérience dans la contribution à la riposte pour les problèmes des réfugiés, est l'enceinte la plus intéressante et la plus importante pour avoir accès à ces individus. Le travail décent est un cadre de référence et un point d'entrée important. On couvre non pas seulement les opportunités de revenus pour tout le monde, mais aussi la promotion des droits sur le travail, l'égalité, le dialogue social, parmi d'autres principes fondamentaux. Une manifestation clé de l'activité de l'OIT pour ce qui est de la riposte à ces problématiques est l'engagement avec l'UNICEF, la Banque mondiale, l'HCR, le gouvernement des Pays-Bas dans des situations de partenariat pour les personnes déplacées de force. C'est le programme qui s'appelle Prospects et qui se met en place dans les pays du Moyen-Orient, du Maghreb et de la Corne d'Afrique. Le recueil dont on parle aujourd'hui se structure autour des principes de l'OIT de 2016 sur l'accès des personnes réfugiées et déplacées de force au marché du travail, avec la recommandation de 2017. 205 et le pacte global pour les réfugiés, on a, grâce à une synergie parmi tous ces instruments, créé un moment idéal pour mettre l'accent sur l'approche basée sur les droits pour l'accès au travail des personnes réfugiées et déplacées. Le recueil résume les leçons prises et résume aussi, indique aussi les bonnes pratiques recueillies par l'OIT
systématiquement à partir de 2013 dans des domaines qui concernent les cadres de gouvernance, les politiques d'emploi, l'égalité d'opportunité, la cohérence entre les politiques et d'autres volets encore. C'est aussi le fruit de l'expertise de l'OIT dans les interventions dans plusieurs régions, dans plusieurs pays, et on tire aussi des leçons des activités de l'OIT dans le cadre spécifique de la crise des réfugiés en Syrie, au Liban, en Jordanie, et l'assistance aussi fournie au Venezuela durant la crise de personnes déplacées, mais aussi l'activité menée par l'OIT dans la Corne d'Afrique. La collaboration et le partenariat est un concept fondamental pour l'OIT. En fait, ce dont on parle, c'est le résultat d'une intégration et d'une coopération entre la branche développement, investissement et d'autres branches à l'intérieur du BIT et de l'OIT. Ce travail devrait faire partie d'une réponse plus vaste. Et c'est la confirmation de l'engagement, là encore, la preuve de l'engagement de l'OIT. Grâce à ce recueil, l'OIT souhaite aussi renforcer la cohérence et la coordination au sein de nos branches techniques, mais encore plus important, la collaboration avec nos bureaux sur le terrain et nos organisations partenaires dans l'organisation d'activités autour de notre recueil et la diffusion du recueil. On espère que le recueil, tout comme les interventions des collègues sur le terrain, pourront donner l'occasion de réfléchir sur des bonnes pratiques émergentes et sur des leçons à tirer. Je m'arrête là. Merci. Merci Tine de vos propos d'introduction. Et avant de passer la parole à notre premier intervenant ou intervenante, je dois vous dire qu'on a effectivement un agenda très intéressant aujourd'hui. Et je voulais simplement dire à tous les participants et participantes qui se connectent que si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr utiliser le chat box. Et à la fin, si on a le temps, avant la fin de la session, on espère pouvoir répondre à certaines questions posées dans insérer dans la chat box. Ou sinon, si vous avez des remarques, écrivez-les sans hésitation dans la chat box. Sans plus m'attarder, je passe la parole maintenant à nos deux premiers intervenants. C'est Héloïse Ruedel et Federico Negro. Héloïse Ruedel est fonctionnaire technique senior auprès de OIT Migrants, elle s'occupe de crise de réfugiés et de personnes déplacées. C'est la première personne qui va prendre la parole. Après elle, Federico Negro va prendre le relais. Et il est en charge de l'unité responsable de paix et résilience au sein du BIT. Merci les deux pour être là aujourd'hui avec nous. Héloïse, vous avez la parole. Et puis Federico va continuer. Merci bien, Myriam. Alors, pour commencer, je pense qu'il est important de souligner qu'à partir du début, il y a plus de 100 ans, l'OIT s'est engagé dans l'emploi et la situation des réfugiés. Déjà dans l'après-Première Guerre mondiale, déjà l'organisation était impliquée dans l'aide et l'assistance auprès des réfugiés pour l'accès à l'emploi et pour les protéger de l'exploitation. La réponse de l'OIT, bien sûr, s'est adaptée aussi à la complexité, à l'évolution des mouvements et des déplacements globaux. L'OIT a joué un rôle clé dans la mitigation de l'impact socio-économique des déplacements sur la large échelle et pour ce qui est aussi de la transition à des conditions de survie dignes et décentes pour les réfugiés et les déplacés. Les populations déplacées sont marginalisées et sont exclues et se trouvent dans des situations d'emploi et de travail non réglementées, informelles et dans des conditions de travail déficitaires et de conditions de travail de vie pénibles. Beaucoup de communautés peuvent avoir du mal à absorber de larges nombres de personnes déplacées, pour ce qui est aussi de leur accès dans un marché qui est fortement marqué par l'informalité. Cela crée une sorte de compétitivité
non inéquitable et une main-d'œuvre plus bas prix, comme elle est perçue par certains acteurs du marché. L'OIT prend en considération les défis structurels, les conditions socio-économiques, les conditions réglementaires, politiques, et les conditions de travail et d'autres barrières aussi existantes, entraves, comme les barrières linguistiques ou le manque de reconnaissance des certificats des qualifications. On considère aussi l'exacerbation de la vulnérabilité de ces individus, ce qui a un impact sur leur vie et sur la situation générale. En fait, beaucoup de déplacés et réfugiés se trouvent dans des situations de protection encore plus réduites. Les femmes, en particulier, sont particulièrement vulnérables dans les temps de crise à l'exploitation, comme on l'a pu voir durant la pandémie de COVID-19. Mais il y a aussi des opportunités qui émergent pour les femmes pour prendre en main de nouveaux rôles et pour lutter contre des dynamiques de pouvoir qui se répliquent, des initiatives qui peuvent être encouragées. Le principe de la justice sociale, de l'égalité et de la non-discrimination sont des principes fondamentaux pour l'OIT, qui promeut le travail décent aussi, c'est-à-dire des opportunités de travail et de revenus pour tout le monde, mais aussi la promotion des droits sur le travail, de l'égalité, du dialogue social. Selon l'OIT, le travail décent est la somme des aspirations des personnes vis-à-vis de leur futur, en leur donnant une voix et une dignité et une reconnaissance. Alors, la situation générale au niveau mondial est assez sombre, mais il y a de plus en plus de partenaires et de gouvernements qui reconnaissent que les réfugiés ne sont pas des bénéficiaires d'aide et d'assistance à long terme, mais sont aussi des agents de changement et de développement proactif. Ce sont des consommateurs, ce sont des entrepreneurs, ce sont des individus qui prennent des décisions autonomes sur leur vie, l'application de leurs compétences, leur bien-être socio-économique. Alors, en parallèle, avec l'adoption et la mise en place de ces principes pour arriver à avoir des stratégies de réponse basées sur le travail décent et pour augmenter le portefeuille de coopération dans les cadres des réfugiés et des contextes de migration mixte, l'OIT a aussi documenté les leçons prises et les leçons à tirer aussi des bonnes pratiques et des pratiques émergentes au Liban, en Jordanie en particulier, vous allez entendre, on va en parler. Et ce recueil, maintenant, inclut aussi d'autres parties du monde, comme par exemple l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie. Alors, dans la prochaine session, je vous disais, on va passer la parole à nos collègues de l'été, à nos partenaires et d'autres bénéficiaires qui vont nous illustrer certaines leçons à tirer et des bonnes pratiques émergentes qu'on peut répliquer. Bien sûr, en les adaptant aux différents contextes individuels. Mais avant ça, je passe la parole à mon collègue Federico Negro pour parler des aspects complémentaires de ce qu'on a essayé de dire et ce qu'on a de, disons, illustrer par le biais de ce recueil. Merci bien. Merci, chers collègues, et bienvenue tout le monde. Comme Héloïse l'a dit, la contribution de l'OIT à la paix est une partie intégrale du rôle et de l'histoire de l'OIT. Il y a quelques années, la déclaration du centenaire a réaffirmé l'importance de la promotion du travail décent, aussi dans des situations et des scénarios de conflit. Les normes internationales du travail, la recommandation 205 sur l'emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, et d'autres conventions et des recommandations aussi sont d'importance fondamentale dans des situations et des scénarios de réfugiés aussi, et d'autres situations de personnes déplacées, et pour la promotion d'une coexistence et cohabitation pacifique. Au fil des 20 dernières années, l'OIT a été impliqué dans un nombre croissant de domaines techniques qui s'appliquent aux scénarios de réfugiés. Et le recueil dont on parle, qui va être présenté aujourd'hui, résume bien cette hétérogénéité d'approche programmatique et la capacité croissante de l'OIT de promouvoir l'accès
à l'emploi et au travail des réfugiés et d'autres communautés. Au travers de certains domaines politiques qui vont être présentés aujourd'hui par nos collègues. Au fil des années dernières, il est devenu de plus en plus clair que le rôle de l'OIT dans la promotion de la cohésion sociale et la paix, y compris dans des scénarios de réfugiés et déplacés, est essentiel. Les connaissances et les outils dérivent de plusieurs normes internationales du travail qu'on a à disposition aujourd'hui et sont de plus en plus appropriées et adéquates pour être mises en place aussi et mises en œuvre dans des scénarios pareils. L'implication de l'OIT dans la programmation aussi nous a permis d'être sensibles aux différentes approches et aux différents contextes, tout en considérant les étapes nécessaires pour arriver à l'objectif final, celui d'être, de travailler vers la paix. On a travaillé à ces perspectives de paix au travers du travail décent et de l'emploi, et ce principe reste cohérent pour nous et reste constant. Le partenariat et la collaboration est fondamental pour tout type d'activité humanitaire et dans ce cadre spécifique. Et cela est encore plus important pour l'OIT, qui a travaillé durement pour être à chaque jour de plus en plus équipé pour cela dans des scénarios spécifiques qui demandent des compréhensions et des outils et des compétences spécifiques. Nous avons aussi collaboré avec l'HCR, ce qui est fondamental dans le scénario de réfugiés et de déplacés, l'occasion aussi pour apprendre davantage par rapport à des situations de fragilité accrue. Et ça a été aussi l'occasion pour l'HCR de mieux peut-être de comprendre, d'apprendre des questions et les conséquences de la cohésion sociale et d'autres volets qui sont, disons, qui font l'objet de l'étude de l'OIT et de l'activité du mandat de l'OIT. Moi, personnellement, j'ai travaillé en 2004, j'étais un bénéficiaire direct en 2004 de cette collaboration. J'ai travaillé en Érythrée pendant un an et je me trouvais à Tessené, dans une zone reculée. C'est une zone qui est proche de la frontière avec le Soudan. Ça a été pour moi l'opportunité pour comprendre quels sont les besoins, les nécessités quotidiennes en termes de nécessités socio-économiques, mais tous les autres besoins, pas des réfugiés, et il y avait des réfugiés du Soudan du Sud, et d'autres migrants de retour aussi. Cela m'a donné l'opportunité d'apprendre et d'apprendre davantage par rapport à ça. Et il est fondamental aussi de consolider la coopération interne au sein de l'organisation et entre pays, entre mandants, à travers aussi de la coopération sud-sud pour garantir un apprentissage mutuel avec la facilitation de l'OIT, ce qui a été vraiment très positif et une très bonne manière pour promouvoir ce volet d'accès au marché de l'emploi par les réfugiés et les communautés de déplacés. Le recueil, la publication en question, est l'exemple vivant de la collaboration entre plusieurs branches et départements de l'OIT, ce qui nous démontre que si l'on travaille ensemble, on peut y arriver, on peut arriver à réaliser un objectif commun, et c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire. Et pour contribuer tout le monde aux objectifs communs, c'est-à-dire assurer l'accès au marché de travail dans des situations et scénarios de fragilité accrue, par exemple, des réfugiés et déplacés. Mais maintenant, je passe la parole à nos collègues qui vont parler et nous donner des illustrations d'expériences spécifiques. Alors, merci bien, Federico. Merci de ton introduction très claire. Je pense qu'il est très important d'avoir mentionné la coopération sud-sud et la possibilité d'apprendre les uns des autres. Et je pense que c'est une très bonne transition pour présenter les deux prochains intervenants, Isabelle Krönisch et Donna Cabrera. Les deux sont des collègues de l'OIT qui travaillent respectivement auprès du bureau Dakar et du bureau de l'OIT de Bogota. Et les deux vont parler de comment ils ont collaboré dans les cadres de ce
ces coopérations Sud-Sud pour la protection des marchés de travail et dans les cadres spécifiques de l'accès au marché de travail. Et merci alors d'être là, Isabelle et Donna. J'ai des questions pour vous et on va commencer par Donna. Donna, pourquoi vous pensez qu'il est utile de promouvoir la collaboration Sud-Sud dans le contexte de migration? Bonjour, bon après-midi, merci beaucoup pour la question. Oui, il est utile de promouvoir la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire entre les pays de différentes régions dans les contextes de réfugiés et de migration. Comme l'échange de bonnes pratiques des leçons apprises est une source d'information pour les chercheurs et les décideurs politiques travaillant sur les migrations internationales. Du point de vue des institutions, les contextes normatifs peuvent étudier les dynamiques migratoires et la mise en œuvre des initiatives de la coopération Sud-Sud triangulaire offre un cadre idéal pour le renforcement des capacités, le transfert des connaissances et l'amélioration des processus actuels visant à l'intégration socio-économique des migrants et des réfugiés. Cet échange se base sur le principe de la coopération Sud-Sud triangulaire, de cette initiative qui fournit la possibilité d'un dialogue sur la base d'une coopération et qui porte des initiatives sur l'appropriation régionale et la non-conditionnalité, la complémentarité par rapport à la souveraineté nationale et non interférence dans les questions domestiques. Il est aussi important de mentionner que la migration, presque 50% des migrations de travail, s'avère dans des pays du Sud, dans le Sud du monde. Et cela est combiné avec la facilitation, la promotion d'échanges et de bonnes pratiques ainsi que des initiatives dans ce contexte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Donna, pour la réponse. Alors, peut-être une question pour vous. Pourquoi avez-vous décidé, Isabelle, l'initiative qui implique la Turquie et la Colombie? À première vue, ce sont deux pays qui semblent très déconnectés et éloignés l'un de l'autre. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez développé cette initiative? Oui, merci beaucoup Myriam. Et bon après-midi, bonsoir. Merci avant tout aux bailleurs de fonds pour avoir fourni un contexte. Et maintenant, j'aimerais bien me pencher en détail, expliquer pourquoi nous avons décidé d'avoir cette initiative de coopération Sud-Sud triangulaire entre la Turquie et la Colombie. Myriam, vous avez raison lorsque vous dites que la Colombie et la Turquie, à première vue, ne paraissent pas avoir beaucoup de choses en commun, qu'elles sont déconnectées, éloignées l'un pays de l'autre, dans deux coins différents du monde. Mais si l'on regarde un petit peu plus de près, on voit qu'il y a aussi leur niveau de développement socio-économique qui présente des similitudes, sont confrontés à des défis similaires en termes de gouvernance du marché du travail. Par exemple, l'informalité est un problème dans les deux contextes. Et encore plus important pour notre initiative, le fait que les deux pays avaient reçu un grand nombre de réfugiés, de migrants. Et la Turquie accueille des réfugiés, la majorité provenant de Syrie, est le plus grand pays d'accueil des réfugiés au monde. La Colombie accueille presque 1,4 million de migrants et des réfugiés de Venezuela et reçoit un nombre croissant de Colombiens répatriés du Venezuela. En Turquie, l'OIT a commencé à mettre en œuvre son programme d'intervention après des réfugiés de 2016. Et le bureau a beaucoup de bonnes pratiques d'enseignement à partager.
et il est possible de reproduire des initiatives dans d'autres pays. Les interventions de l'OIT en Colombie, axées sur les migrants et les réfugiés en provenance du Venezuela, ont débuté en 2019 et la Turquie peut également tirer des enseignements de cette expérience. Jusqu'à présent, les représentants du gouvernement, des gouvernements de Turquie, de Colombie, des représentants des employeurs et des travailleurs ont apprécié l'occasion de se réunir et de discuter des approches. Nous avons discuté, par exemple, comment promouvoir la protection de droits au travail, l'emploi, l'extension de la couverture de protection sociale. Et dans un deuxième temps, nous organisons un cours d'apprentissage en ligne à l'intention de nos mandants, où ils se réuniront et discuteront plus avant des approches et défis enseignement tirés. Merci beaucoup Isabelle pour avoir partagé avec nous cette expérience concrète que vous avez eue avec Donna. Peut-être la dernière question pour les deux, en particulier tenant compte du contexte spécifique. Maintenant, ça fait plus d'un an qu'on est dans, on doit faire face aux défis de cette pandémie de la COVID-19. C'est comment que vous avez tenu compte de la pandémie? Est-ce que la pandémie a affecté de manière substantielle vos initiatives et dans quel contexte spécifique? Peut-être Donna souhaite commencer? Oui, si c'est OK avec Isabelle, je veux commencer alors. Oui, merci. Alors, merci Myriam. Il est intéressant parce que lorsque nous avons lancé l'initiative, nous avons planifié de mener des visites sur les terrains dans les deux pays, mais nous avons dû passer à un format en ligne à cause de la situation. Et cela, bien sûr, entraîne certains défis, mais offre également des grandes opportunités. En termes d'idées qu'on peut promouvoir là où l'on peut faire des discussions et concernant les résultats qu'on souhaite obtenir à travers cette discussion. Mais comme il a été mentionné, nous avons eu des discussions et on va dessiner du matériel d'apprentissage en ligne qui sera utile pour les participants, mais qui va aussi fournir des possibilités pour les participants futurs pour l'approche, de manière à avoir un échange de bonnes pratiques et des leçons apprises. J'aimerais bien mentionner, avant de redonner la parole à Isabelle, que nous avons eu l'opportunité d'apprendre en temps réel à propos de défis concernant l'évaluation et la mise en œuvre du programme de en particulier en ce qui concerne l'attrapage économique. Et cela nous donne des opportunités pour voir ce que ce scénario apportait, aussi les leçons apprises, de manière à pouvoir partager cela avec les participants à l'avenir, ce type d'initiative. Et donc, continuer avec sur cette ligne d'idées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. Peut-être pour complémenter ce qui a été dit, l'initiative de coopération sud-sud triangulaire a été une manière pour interagir avec les mandants en temps réel dans les deux contextes, donc la Turquie et la Colombie, voir les difficultés croissantes donc, concernant les migrants et l'accès au travail décent et leurs besoins qui ont été parmi le premier à perdre leur travail. Et donc, il y a eu beaucoup de choses à discuter et à échanger de deux côtés. Donc, pour conclure, on peut dire que la
COVID-19 a bien sûr souligné les difficultés. Il y a eu de côté positif et négatif. Du côté positif, comme Donna l'a mentionné, nous avons une formation, beaucoup de matériel pour la formation en ligne qu'on pourra utiliser à l'avenir pour continuer, répliquer cette expérience. Du côté négatif, il est dommage qu'on ne peut pas organiser de visites directes. Donc, avant le début de la COVID-19, on avait planifié des visites sur le terrain dans les deux pays. Donc, clairement, maintenant, cela n'est pas possible. Et donc, on est passé à un format en ligne complètement, mais cela fonctionne plutôt bien pour l'instant. Et donc, on espère de pouvoir continuer pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle et Donna. Merci beaucoup et je vous souhaite le mieux pour les activités à venir et comme vous continuez ensemble. Donc, j'espère encore d'avoir des mises à jour en ce qui concerne la coopération sud-sud et angulaire pour les deux pays. Ce qui est très intéressant en écoutant vos témoignages, voyant la coopération est très importante. Qu'elle se soit parmi les bureaux de l'OIT, bien sûr, se rencontrer avec les parties prenantes de différents pays qui apparemment pourraient ne pas montrer d'avoir beaucoup de choses en commun et donc peuvent inspirer l'expérience des pays. Donc, j'entends que la coopération, la collaboration est très importante et si je peux, pour la prochaine session, je pense que on a vu une collaboration très importante, en particulier le cas spécifique de la Mauritanie. Et j'aimerais bien remercier deux collègues, Ziad Ayoubi d'Itediop. Donc, on parle maintenant d'une collaboration entre agences, entre les agences spécifiques de l'OIT en Mauritanie. Donc, il est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Donc, il a été vraiment très important d'avoir aussi d'autres agences de l'ONU qui collaborent entre elles. Et donc, j'aimerais bien donner la bienvenue aux collègues Dité Diop qui travaillent à l'OIT en Mauritanie. Dité, merci beaucoup pour la participation à la dernière minute, comme vous avez dû remplacer un collègue qui malheureusement ne pouvait pas prendre part à l'événement, mais on apprécie beaucoup votre expérience. Donc, si je peux commencer par une question, peut-être pour Ziad, j'aimerais bien savoir d'après vous, quel est le rôle qui pourrait être joué pour le travail décent pour aborder les questions spécifiques de Mauritanie? Peut-être vous voulez prendre la parole maintenant, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam. Pour commencer, je peux dire que je peux donner un aperçu de la situation en Mauritanie. Il y a à peu près 67 000 migrants en Mauritanie. Et il s'agit d'une situation prolongée, la deuxième vague de migration qui a commencé en 2012. La Mauritanie est entourée par plusieurs conflits, plusieurs situations de conflit, le conflit au Mali et aussi le conflit dans la partie du Sahara de l'Ouest. Et donc, la situation est difficile. Nous sommes en train d'attendre de nouvelles arrivées, malgré la fermeture de frontières. On a reçu presque 3 000 réfugiés l'année dernière. Et donc, pour aller directement au sujet de la question, je pense l'opération dans le sud-est de Mauritanie, là où il y a un grand camp de réfugiés, plus que 80% de participants, c'est-à-dire 65 000, vivent dans un camp. Dans ce camp, les opérations sont de type humanitaire et donc il y a des agences humanitaires qui travaillent, 20 partenaires internationaux
Et on peut voir clairement la transition, on peut voir clairement la culture de la culture d'indépendance entre les acteurs d'autonomie, disons, de l'auto-développement aussi pour la population. Dans un environnement où les réfugiés ont la volonté d'investir des efforts pour être inclus dans l'économie, ils ont encore besoin de la part des acteurs de développement, avant tout pour, disons, trouver un emploi en ce qui concerne l'emploi, mais aussi pour faire du plaidoyer pour de meilleures conditions de travail et créer des opportunités, en particulier en ce qui concerne un contexte très difficile pour ceux qui connaissent cette zone. Il s'agit d'une zone sèche, il y a le désert, il s'agit d'une zone isolée. Ce n'est pas simple de rejoindre certains points. Donc, des fois, il faut plus de 2 jours de voyage pour parvenir à la capitale. Et donc, d'un point de vue commercial très complexe, le rôle de l'OIT dans cette situation est celui d'offrir d'opportunités ultérieures, de faire du plaidoyer pour l'emploi des réfugiés et s'assurer à ce que les opérations, le travail, n'est seulement un travail humanitaire, mais le travail humanitaire qui répond aux besoins immédiats, mais aussi un travail de longue haleine pour répondre à des opportunités de formation. Donc, je m'arrête là. Peut-être on peut ajouter plus de détails avec la prochaine question. Merci. Merci beaucoup, Ziad. Je vais donner maintenant la parole à Guité Diop. Merci beaucoup pour nous avoir rejoints. Guité, encore une fois, merci. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Guité, peut-être pour complémenter ce que Zia a dit, est-ce que vous pouvez nous fournir un exemple particulier et spécifique sur comment l'OIT souhaite élargir les opportunités d'emploi? Qu'est-ce que vous pensez a été l'exemple de succès de cette coopération? Dites, je sais que vous allez répondre en français. Alors, je vais juste informer les participants qu'ils peuvent écouter la réponse à travers l'interprétation simultanée en choisissant le canal anglais. Et ils peuvent choisir la langue. Je vous donne la parole. Merci. Alors, je vais juste te dire, tu es en mode silencieux. Voilà, parfait. OK, donc merci beaucoup, Myriam. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager en tout cas notre expérience, ou en tout cas ce que l'OIT est en train de faire en Mauritanie. Et pour rapidement entrer dans le vif du sujet, par rapport à ce que vient d'exposer donc, notre collègue Ziad, donc juste bien entendu pour en tout cas compléter ce qu'il venait de dire, comme quoi que déjà Bassikounou, la zone est déjà à presque 1400 km donc, de Nouakchott, donc qui est une zone, comme il l'a dit, désertique. Mais également aussi noter que le contexte est également un contexte de crise prolongée où les réfugiés, notamment en tout cas la grande vague qui a été en tout cas la plus récente en 2012, donc où, comme l'a expliqué tout à l'heure Ziad, nous sommes actuellement à presque 67 000 donc, réfugiés au niveau du camp. Donc ce qui pose donc pas mal de problématiques, notamment tout ce qui a trait à la pression au niveau des ressources, tout ce qui a trait également à la coexistence pacifique et à la cohésion sociale entre les réfugiés et les populations hôtes, mais également aussi par rapport au manque d'opportunités donc au niveau de la zone, qui est donc essentiellement une zone pastorale. Et par rapport à ça, l'OIT actuellement donc, met en œuvre en tout cas 3 projets, dont l'un est terminé avec le Japon et l'autre avec l'UNHCR et la GIZ. Donc, ils sont des projets qui s'articulent pour l'essentiel autour de la promotion d'opportunités économiques
à la fois pour les réfugiés et les populations hôtes, mais également aussi intégrant la dimension genre et la dimension cohésion sociale. Des projets qui généralement s'articulent autour de trois grands axes, notamment l'amélioration de l'employabilité donc des jeunes, réfugiés et populations hôtes, axés sur les filières de la chaîne de valeur construction et les chaînes de valeur développement économique local, notamment tout ce qui a trait au cuir, viande séchée et encre haute. Donc, c'est des formations qui sont donc mises en place suivant la modalité chantier école, qui est donc à 20% de théorie et 80% de pratique donc sur les chantiers de construction. Et là, d'ailleurs, j'en profite pour partager également le fait que actuellement, nous sommes en discussion très, très avancée avec le gouvernement mauritanien, où d'ailleurs, il y a les projets d'arrêter la VAE, la validation des acquis par expérience, qui, dans les jours ou mois à venir, vont institutionnaliser l'approche pour la modalité chantier école au niveau de la Mauritanie. Et en ce sens, ceci nous permet également, pour revenir sur ce qu'on est en train de faire actuellement, en collaboration avec l'Institut mauritanien pour la formation technique et professionnelle et la direction de la formation technique et professionnelle, le BIT est en train donc de mettre en application ce qu'on peut appeler les programmes sur les certificats de compétences et les certificats de qualification, donc dans les deux chaînes de valeur que je viens de citer, notamment sur la construction et le développement économique local. Maintenant, par rapport donc à ces filières-là aussi, un aspect aussi qui est très, très important, qu'on peut également retenir comme élément de réussite, a été aussi surtout la dimension South-South, la dimension coopérative Sud-Sud, notamment entre la Mauritanie et le Burkina Faso, donc où d'ailleurs des nouvelles techniques de construction ont été appris à la fois aux réfugiés, notamment tout ce qui a trait à la voûte nubienne et aux briques et terres compressées, mais également aussi par rapport aux chaînes de valeur économique locales, notamment sur la viande séchée et le lait également. Nous avons aussi des coopérations très, très solides sur lesquelles d'ailleurs pourra revenir tout à l'heure Ziad, notamment avec des entreprises sénégalaises comme Maraz, notamment dans le domaine donc, du cuir et peau. Un autre aspect aussi, un autre élément aussi qu'on pouvait aussi appréhender en tant comme un élément de réussite par rapport à ce qu'on est en train de faire, c'est surtout également le nombre donc, de jeunes qui jusque-là donc, ont été donc, capacités du point de vue technique et en même temps aussi nous disposons aussi sur place en lien avec l'Agence nationale de l'emploi de trois antennes donc, qui donc, offrent des services d'appui à l'insertion et aux entreprises qui permet aussi donc de faciliter l'accompagnement et l'insertion des jeunes formés sur le marché du travail, mais également aussi l'encadrement des organisations professionnelles qui sont dans les différentes chaînes de valeur. Et la dernière chose peut-être sur laquelle je vais rebondir avant d'être redonné la parole, et qu'également nous venons avec la dernière réunion sur le pacte mondial sur les réfugiés, d'avoir déjà parmi les engagements donc pris par le gouvernement mauritanien, donc l'accès, donc de faciliter l'accès des réfugiés au marché du travail et sur lesquels d'ailleurs on est très très avancé dans les discussions, notamment avec les ministères de l'emploi et le ministère du travail, pour voir dans quelle mesure on pouvait avancer dans le sens, bien entendu, de diagnostiquer le cadre légal, les procédures administratives donc, et techniques pour bien sûr faciliter l'accès des réfugiés au marché du travail. Je m'en arrête là en attendant bien entendu les autres questions pour pouvoir approfondir bien sûr sur d'autres aspects. Merci beaucoup Guité pour partager ces expériences très concrètes d'actions qui ont été menées aussi bien par le BIT que par le HCR. Et en fait, si je peux me permettre, justement, c'est assez intéressant de voir le travail conjoint entre les deux agences. Maybe Ziad for you, a question. Actually, it's the same question for peut-être both. Peut-être pour vous, une autre question, c'est la question pour les deux. What do you think, you know, in this collaboration? Is the added value brought by each agency? But quelle est la valeur ajoutée fournie par les agences que l'OIT, par exemple, amène et que l'HCR peut amener dans vos deux différentes expériences? Ziad, vous voulez prendre la parole? Merci, Myriam. Dans un contexte comme la Mauritanie, où il y a un environnement propice pour l'inclusion économique des réfugiés, le rôle de l'OIT est celui de montrer des exemples opérationnels et d'opérationnaliser l'intervention.
on parle du nexus de développement humanitaire et on a besoin d'avoir d'exemples concrets. Et ce que l'OIT est en train de faire en Mauritanie, c'est de travailler à ce nexus et d'utiliser l'expertise dans le domaine de l'emploi dans une situation où on a affaire avec l'humanitaire, mais on parle aussi du développement. Il y a plusieurs facteurs en fait, qui rendent le travail de l'OIT en Mauritanie en général un travail couronné de succès. Dans Berra, il y a beaucoup de besoins, de nécessités. Alors, ce que l'OIT est en train de faire, le rôle de l'OIT, est de sélectionner des chaînes de valeur et des niches de valeur et investir dans ces domaines. Et on peut le voir directement, on peut le voir sur le terrain. On peut voir l'impact sur le terrain. Ce qu'on dit du point de vue du nexus humanitaire tourne autour de la collaboration des différents acteurs pour des secteurs comme ceux dont on parle. Il faut voir des exemples pratiques. On peut voir dans ces zones des bâtiments, des quartiers qui ont été construits en utilisant les chantiers écoles, par exemple. On peut voir pour la première fois dans la région qu'il y a des institutions de formation technique et professionnelle. C'est l'OIT qui a mené ces services, des services que des acteurs humanitaires seront en mesure. Disons que les acteurs humanitaires ne peuvent pas amener des services comme ceux-ci, durables dans des zones. Ils peuvent agir, mais d'autres manières. L'OIT travaille du point de vue de la FTP, de l'investissement, du crédit, des infrastructures. Ce n'est pas le rôle, on pourrait dire, des acteurs humanitaires. Et c'est la contribution de l'OIT avec d'autres acteurs du développement. Alors, c'est un rôle majeur à jouer quand on a affaire avec la durabilité, avec l'agenda d'inclusivité de la SER, ce qu'on promeut avec la Banque mondiale, avec d'autres acteurs du développement. Merci. Merci à Ziad de votre intervention. Kité, à toi, sur la base de ton expérience, quelle est la valeur ajoutée de votre collaboration avec la SER en Mauritanie? Tout d'abord, donc je profite de l'occasion, en tout cas pour remercier en tout cas Ziad à travers cette réunion, donc surtout de l'appui et de l'assistance, en tout cas dont on a en tout cas très souvent, donc avec bien sûr le HR. Et juste d'abord, premier élément, en tout cas qui me semble très très intéressant à souligner par rapport à cette collaboration et qui, à mon avis, est une réussite. À la fois au niveau de la Mauritanie, mais bien sûr aussi au niveau global, en soulignant bien entendu qu'il y a un joint action plan entre le BIT et l'UNHCR. Et dans ce cadre également, l'expérience de la Mauritanie, avec bien entendu l'ensemble des bonnes pratiques et leçons apprises qu'on pouvait tirer de cette collaboration, à mon avis, peut être extrêmement important pour alimenter bien sûr le plan d'action. Mais en même temps aussi servir d'expérience à d'autres pays où bien sûr le BIT, comme d'autres agences, pourraient bien entendu interagir pour créer plus d'impact dans la vie des bénéficiaires. Un autre aspect aussi qui me semble également très, très, très important à souligner également, et comme j'ai eu à le dire à l'entame de mes propos, est que nous sommes dans un contexte de crise prolongée où aujourd'hui, la plupart, bien entendu, des réfugiés donc, sont aujourd'hui sortis de l'assistance ou donc ils ont aujourd'hui besoin d'un appui, d'un accompagnement pour pouvoir bien sûr s'autonomiser. Et c'est en ce sens que aujourd'hui le concept de triple nexus donc a toute son bien entendu son importance, notamment à l'ambiance de l'humanitaire, du développement, à la coexistence pacifique. Et c'est d'ailleurs en ce sens que le travail ou en tout cas la collaboration entre le BIT et l'UNHCR est extrêmement important. Et je vais aussi souligner également un aspect qui me semble aussi très, très important à souligner, et que les différents projets que nous sommes en train de mener conjointement avec l'UNHCR à l'est de la Mauritanie, à Bassikounou, c'est des projets qui sont bien entendu tirés des leçons apprises ou de l'expérience des autres projets que le BIT mène à l'intérieur de la Mauritanie, notamment le projet PECOBAT, le projet de promotion de l'employabilité des jeunes à travers les matériaux locaux.
Donc ça déjà a été en tout cas extrêmement important du point de vue réplication. Un autre aspect également aussi qui est très 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 important dans le cadre de la collaboration avec la HR et surtout également la collaboration du point de vue représentation institutionnelle, où d'ailleurs il y a un accompagnement, où d'ailleurs entre la HR et l'OIT, on a comme l'impression sur le terrain, en tout cas auprès des autorités, qu'il y a un seul interlocuteur, un aspect aussi qui est très 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 important, allant par exemple dans le sens où nous on sollicite d'avoir des parcelles sur lesquelles on pouvait implanter des infrastructures. Et souligner également que l'objectif premier n'est pas, bien entendu, d'avoir ces infrastructures, mais c'est surtout de s'en servir comme chantier pédagogique pour, bien entendu, mettre en place donc, les différents programmes de formation dans les différentes chaînes de valeur. Un autre aspect aussi que je pouvais également appréhender comme un élément de réussite dans le cadre de la collaboration entre la HR et l'OIT est qu'également, au niveau du pays, il arrive très souvent qu'on mette en œuvre conjointement des études, qu'on réalise conjointement des études, ou bien que l'UNHCR réalise des études avec l'appui, en tout cas en utilisant la méthodologie du BIT. D'ailleurs, c'est pour la plupart des études que nous avons donc eu à mettre en œuvre, soit avec la méthodologie du BIT ou bien ensemble, et qui, bien entendu, nous permet d'avoir pas mal d'informations et bien sûr éclairer donc, l'ensemble donc, de nos interventions. Donc voilà, en gros, donc, les quelques aspects donc, que je peux retenir par rapport à la collaboration OIT-HR en Mauritanie. Merci beaucoup, Guité. Merci beaucoup, Ziad. Si vous avez encore, si cela ne vous dérange pas, 2-3 minutes, parce que je vois dans la chatbox que nous avons des questions spécifiques sur la Mauritanie. Donc, je voudrais peut-être en profiter pour vous les poser à tous les deux. Donc, on a deux questions. Une première question relative au dispositif spécifique pour la prise en charge de l'insertion des réfugiés dans le marché de l'emploi mauritanien. Est-ce qu'il en existe? Si oui, quels sont-ils? Cette question vient de notre participante Sausen Hins, et je ne me trompe pas, vient de la Tunisie. Et notre question de Madame Kouakou sur quel est le ratio des réfugiés impactés par l'expérience de l'OIT en Mauritanie. Donc, voilà les deux questions. Dispositif spécifique pour la prise en charge et l'insertion des réfugiés sur le marché du travail et le ratio de réfugiés impactés, touchés ou qui ont pu bénéficier en fait des différentes expériences, ces projets mis en œuvre, je dirais aussi bien par l'OIT que par l'EHCR. Je ne sais pas si peut-être Guité dans un premier temps et Ziad si jamais vous souhaitez compléter ce que Guité dira. Guité, je te passe la parole. Ok, merci beaucoup donc, pour cette question, déjà qui est extrêmement importante parce que déjà, dans le processus, ou en tout cas dans le parcours d'insertion professionnelle, l'idée est de commencer par tout ce qui a trait à la définition de projet professionnel, la formation, mais bien entendu, penser en même temps à l'insertion. En ce sens, dans le cadre de nos activités au niveau de Bassikounou, nous avons un dispositif d'appui donc, à l'insertion donc, des jeunes et à la fourniture de services d'appui aux entreprises. Donc, c'est un dispositif qui est donc, en ce moment donc, mis en œuvre de façon ad hoc dans le cadre du projet, mais en même temps, on a déjà le OK de l'Agence nationale pour l'emploi, qui d'ailleurs va ouvrir une antenne dans les mois à venir au niveau de NEMA, notamment au niveau du chef-lieu du département où donc, se situent donc, les réfugiés. Et en ce sens, l'idée est que les trois antennes donc, qui sont actuellement implantées au niveau de la Maison des jeunes de Bassikounou, au niveau du camp de Mbera, notamment dans l'une des centres de formation de OIT-HR qui avait été construit donc, en 2019, et au niveau de la mairie de Fassala. Maintenant, l'idée est que dans le cadre donc, de ces trois antennes, donc, ces trois antennes sont gérées par un consortium donc, qui est constitué de trois organisations avec des expertises différentes, allant de l'insertion professionnelle, de l'entrepreneuriat, de l'alphabétisation fonctionnelle, mais également aussi d'une IMF. Et d'ailleurs, une autre expérience aussi, peut-être que j'ai eu une autre expérience réussie que je n'ai pas donc, pu citer, est que l'un des membres de ce consortium-là qui gère les antennes a aujourd'hui ouvert deux antennes donc, au niveau de Bassikounou, alors qu'il n'existait pas encore d'institution de microfinance. Donc, il n'y avait que les banques classiques, avec bien entendu toutes les règles qui généralement classiques sont pour la plupart du temps donc inaccessibles donc à notre public cible. Et l'autre aspect également qui est important est que ce consortium-là, constitué de trois organisations, a un réseau d'animateurs.
Et ce réseau d'animateurs est constitué aujourd'hui de 13 personnes qui sont également recrutées localement et formées par le BIT. Donc, dans les différents outils du BIT, allant de GERM, du manuel de l'employabilité, des outils de MyCode et entre autres. Donc, ils sont bien capacités et suivis et c'est eux donc, qui sont en train donc, de fournir ces services d'appui à la fois à l'action et aux entreprises au niveau de ces trois antennes. Et l'idée est qu'actuellement, avec les discussions en cours avec l'Agence nationale de l'emploi et que ces trois antennes-là, à la fin du projet, notamment dans les trois années à venir, soient absorbées donc, par l'Agence nationale pour l'emploi. Donc, je ne sais pas si ça répond donc, à la première question. Merci beaucoup, Guité. Ziad, est-ce que vous souhaitez peut-être rajouter quelque chose? Je vous en prie. Yes, thank you so much. I will answer in English. Oui, je vais répondre en anglais. Il est très important de considérer l'inclusion économique dans un pays comme étant le résultat de plusieurs interventions et non pas seulement comme résultat d'une intervention seulement. C'est exactement ce que l'OIT est en train de faire. C'est la contribution, une contribution directe à l'inclusion économique. Mais il y a aussi d'autres aspects qui arrivent dans la zone et d'autres programmes et d'autres interventions et d'autres efforts aussi qui contribuent directement et indirectement à l'inclusion économique. Il faut prêter attention à ces autres interventions. Souvent, elles ne sont pas étiquetées comme des interventions visant l'inclusion économique, mais ce sont des interventions qui ont ce résultat-là. Par exemple, la Banque mondiale à Berakan, c'est une intervention qui est très importante parce qu'il il touche à la protection sociale, à l'infrastructure, ils amènent l'électricité, des services essentiels qui sont vraiment fondamentaux, des services de soins, par exemple sanitaires, l'urbanisation, l'eau. Ce sont là des services qui sont très importants pour l'inclusion économique, même si ces services ne sont pas étiquetés comme des services d'inclusion ou d'intervention économique. Et puis, le cadre. Il faut considérer aussi le cadre général. Ce qui est très important pour l'inclusion économique des réfugiés en Mauritanie est l'ouverture du gouvernement et les politiques du gouvernement et le cadre juridique qui permet aux réfugiés de travailler. Alors, le cadre juridique et étatique, on pourrait dire, est un autre élément très important à prendre en considération si l'on veut vraiment répondre à votre question sur quels sont les dispositifs pour la prise en charge. C'est tout par rapport à la première question. Et le ratio, le pourcentage des bénéficiaires impactés, je pense que, Guité, peut-être tu pourras répondre. Ouais. OK. Merci beaucoup, donc, Ziad, donc, pour ça. Déjà, pour revenir par rapport à ça, par rapport au ratio, déjà, l'année passée, déjà, nous avions donc eu à atteindre plus ou moins 445 donc, réfugiés et jeunes issus des populations hautes. Et ce qui, l'objectif pour, dans le cadre du projet du PRM, donc avec ces deux années passées, était surtout également d'avoir 50% de réfugiés et 50% de population haute, et dans les deux, avoir 40% de femmes. Mais il faut quand même dire que le pourcentage, en tout cas, de participation des femmes, notamment dans les filières construction, tourne autour de 33 à 35%. Donc, dans la mesure où c'est malheureusement donc une chaîne de valeur qui, en principe, les gens le regardent traditionnellement comme étant pour les hommes, mais dans ce cadre, avec bien entendu l'appui du HR et des autres partenaires, nous avions donc pu mettre en place un comité d'école qui permettait en même temps, qui travaillait en même temps avec le consortium et qui en même temps travaillait à la fois avec le consortium, mais en même temps avec les comités, les commissions de sélection des stagiaires et qui bien entendu avait tout un programme de sensibilisation auprès des familles pour faire en sorte qu'on a pu donc avoir ces 33%. Et actuellement, dans le cadre de la mise en œuvre aussi toujours du projet donc, avec le BPRM, de novembre 2019 à ce jour, nous sommes actuellement à presque 491 donc, personnes donc, impactées qui s'ajoutent donc, aux 445 premiers. Et un autre aspect également aussi à souligner est qu'actuellement, aussi, dans le cadre de nos activités aussi, avec l'UNHCR également, nous sommes aussi actuellement cette année à 256 donc réfugiés et populations hautes également impactées. Et sans oublier le projet Japon,
donc que nous avions donc mis en œuvre entre 2019 et 2020, où nous avions également eu 120 donc réfugiés et populations hôtes impactées donc par nos activités. Donc voilà. Thank you very much, Gitte and Ziad, for sharing your experience and. Merci bien d'avoir partagé, Ziad et Gitte, votre expérience. Et il y a d'autres questions aussi pour vous, mais en considérant le temps qu'on a à disposition, je vais les garder pour la fin. Alors restez avec nous si possible. Et si on a le temps à la fin, on va vous redonner la parole pour répondre à d'autres questions supplémentaires si vous voulez. Mais alors je tiens à vous remercier encore à nouveau de votre intervention et de votre présence. Vous avez effectivement. Comme Donna, Isabelle aussi, nous donnait beaucoup d'expériences concrètes et d'exemples concrets. Je pense que nous avons encore une autre expérience intéressante qui concerne plutôt la promotion de l'entrepreneuriat et du business durable. Et c'est un exemple de l'Asie. On va voir un exemple très concret de l'Indonésie. Et je voudrais... remercier Monsieur Charles Bodwell d'être ici avec nous. Bonsoir Charles, il est très tard pour vous. Je sais que vous êtes connecté de Bangkok. Alors merci d'être là et bonsoir à vous Charles. Merci d'être là pour partager votre expérience. Si vous voulez, je voudrais montrer la vidéo que votre équipe et vous avez préparée sur un cas spécifique de réfugiés afghans d'Hizbullah. J'ai eu l'occasion de voir cette vidéo avant et c'est j'aime beaucoup la vidéo, ça nous inspire vraiment. Alors je voudrais partir par cette vidéo que je vais partager avec nos participants et puis j'ai des questions pour vous aussi, si ça vous va. Je voudrais demander à ma collègue de partager l'écran et de lancer la vidéo, Michaela. C'est une vidéo de 3 minutes. L'autonomisation des réfugiés en Indonésie. En 2018, il y avait plus de 14 000 réfugiés vivant en Indonésie. La plupart de ces réfugiés est arrivé en Indonésie. Mais avec l'espoir d'avoir une résidence dans ce pays. Mais la possibilité d'avoir une résidence est limité. Là, c'est un exemple d'un réfugié qui est venu en Indonésie de l'Afghanistan pour trouver une situation de sécurité. L'Afghanistan n'est pas un lieu sûr pour nous et il y a très peu d'espoir de vie. Alors, j'ai voulu partir en Australie comme d'autres personnes, mais je n'aurais jamais imaginé de rester pendant 5 ans en Indonésie. Sur ma route vers l'Australie. Des réfugiés comme lui doivent trouver des manières pour survivre, comme ils n'ont pas de droit à avoir des activités génératrices de revenus. En 2017, l'HCR et l'OIT ont commencé à travailler ensemble pour développer une approche durable qui s'appelle Ready for Business. Préparer pour l'emploi. C'est une formation d'entrepreneuriat de 6 mois pour les réfugiés jeunes et les jeunes indonésiens. Pour Bismillah, ce programme lui a permis de créer des opportunités de business en travaillant en collaboration et en contact avec les communautés locales. J'ai commencé à travailler avec des frites, finalement, à vendre des frites. Et j'ai appris comment faire des frites. Et il est très important d'avoir des produits de très bonne qualité, tout d'abord. Et puis, j'ai appris tous les autres, le processus. En général, en particulier pour ce qui est de la nourriture, on a des besoins spécifiques. Et il est très important de respecter certains aspects qui concernent la distribution sur le marché. Mais une fois appris ces conditions-là, les réfugiés peuvent travailler très bien dans ce secteur. Son produit, en fait, a été accueilli de façon très positive par les clients. Et «
UNSCR and the ILO. Et la SER et l'OIT continueront à travailler ensemble pour appuyer l'entrepreneuriat des jeunes réfugiés qui se trouvent en Indonésie pour qu'ils puissent améliorer leur vie et leur avenir. Thank you very much. Merci bien, Michaela, Charles. Merci encore d'avoir partagé l'expérience du réfugié afghan. Est-ce que vous pouvez nous donner des idées sur un peu plus sur ce projet qui sont les bénéficiaires du projet? Alors, je dois dire que 2 ans après, son business continue. Les participants, pour revenir un peu en arrière, les bénéficiaires. Alors, on a travaillé en collaboration avec le bureau de l'HCR de Bangkok pour ce qui est de la situation des mineurs non accompagnés et pour le très peu de possibilités pour la réinstallation des personnes déplacées les déplacés forcés. Alors, nous avions beaucoup de mineurs de 15 à 25 ans. Ce sont la cible, on pourrait dire, c'était la cible pour nos programmes. 100 jeunes réfugiés de 15 à 25 places, 100 locaux qui ont été incorporés dans les activités de ces formations et de ces programmes spécifiques. C'était ça par rapport à la question sur les bénéficiaires du programme. No, I don't hear you. Je ne vous entends pas. Désolé. What was different about the ready for business approach? C'est quoi qui a été différent dans l'approche? Well, ready for business was based on être prêt. Ready for business c'était être prêt à une activité, c'est-à-dire faire quelque chose qui avait un coût faible. Et les possibilités du programme étaient très limitées. Donc, nous avons essayé de rejoindre un nombre d'enfants. Et donc, on n'était pas à même de pouvoir offrir une formation avec des formateurs expérimentés. On a offert une formation basée sur plusieurs sujets. Leur donner une idée de comment négocier la finance, le marketing, l'accès à des plans d'affaires. Et comme il s'agit d'un programme en 40 modules, et on a combiné, à cause de la situation de ces jeunes, on a ajouté des composantes sociales au programme en ce qui concerne l'organisation. On a essayé de poser aux jeunes le type de défis qu'ils devront faire face. Aussi, les médias sociaux, s'il y a des participants qui continuent à poser des questions sur le programme. On a eu un réseau de cela. On a présenté les matériaux. Et on s'est basé sur les groupes. On s'est basé sur les groupes pour s'aider, une entraide. Des fois, avec du lien avec la communauté locale, c'est un programme basé sur la communauté. Thank you. Merci. Concernant l'impact actuel, quels ont été les résultats de l'approche? Je parlais à certains participants l'autre jour pour connaître leurs pensées. Et ce qu'ils ont souligné a été la connexion à côté de compétences spécifiques, la compréhension, le fait d'être préparé à travailler. Ce qui avait vraiment une valeur, c'était la connexion sociale avec la communauté, les personnes locales et les réfugiés et les matériaux. Donc, cela a été très, très important pour eux.
series of surveys to find out. Une série de sondages qu'on a mené pour connaître leurs compétences, leurs compréhensions. 90% se sont sentis faibles à la fin du programme, comme ils avaient eu d'opportunités que d'autres n'avaient pas eues. La plus grande partie s'est sentie plus partie, faire plus grande partie de la communauté locale. Et bien sûr, on a lancé des activités, d'autres vont continuer. Un autre côté que j'aime voir, le côté d'entrepreneur qui est vraiment un défi. Dans des zones comme l'Indonésie, où les personnes peut-être ne connaissent pas la langue, c'est dur, mais la plupart des activités sont encore en cours. Mais je dirais que ce modèle fonctionne plutôt bien. Merci beaucoup, Charles. J'ai deux questions pour vous qui viennent de notre audience, de notre public. Avant tout, en regardant le contexte spécifique de la COVID, est-ce que la pandémie a affecté le travail que vous avez fait? Je vois déjà que vous souriez. Donc, ce sera intéressant de connaître votre réponse, mais sérieusement, quel a été l'impact de la COVID-19 sur le travail que vous avez développé pour développer des activités durables? Est-ce que vous avez vu l'impact de la pandémie? Oui, bien sûr. Il s'agit de modules d'apprentissage en présence, et donc il a été vraiment difficile. Une situation où les personnes devaient être éloignées à distance, là où les personnes devaient pouvoir discuter en présence, en face. Nous avons développé des modules en ligne. Nous avons testé ces modules. On l'a fait avec les jeunes réfugiés en Indonésie et donc des programmes à travers de différentes modalités. Dans la phase 3, on devait revenir en présence. Un apprentissage par le pair, mais on a développé toute une série d'outils. Donc, un apprentissage pour le pair à travers Zoom, à travers Teams, à travers Google Groups, à travers toutes les plateformes numériques, de manière à se connecter et avoir des discussions. Nous avons géré un programme avec 1800 participants du Cambodge et des programmes pour les réfugiés. Il y a vraiment beaucoup d'éléments et plusieurs bénéficiaires qui ont compris l'importance de ces activités. Là, on a pu puiser dans la technologie pour parvenir à un plus grand nombre de personnes. Les jeunes, ils sont vraiment brillants. Ils sont jeunes et ils savent comment utiliser la technologie. Ils sont beaucoup plus préparés que nous lorsqu'ils utilisent la technologie. Merci beaucoup, Charles. Merci. En effet, vous avez souligné l'apprentissage, même à travers les smartphones, à travers les portables. Impossible. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre la méthodologie, la méthode que vous avez expliquée, donc la méthodologie de bâtir, construire une activité promue par l'OIT? Est-ce qu'il y a une différence de méthodologie? Oui. Start Your Business, commencer votre activité, est un programme établi depuis longtemps dans des situations où il y a des réseaux de formateurs, où il y a quelqu'un qui les développe. Il s'agit d'un instrument merveilleux. S'il y a les ressources pour développer les formateurs, s'ils peuvent tirer avantage de ces activités, c'est excellent dans ces cas. Et ce n'était pas comme ça. On n'avait pas le fond. La situation dans laquelle on se trouve souvent avec une population vulnérable, marginalisée, qui n'a pas de ressources.
Et donc, le financement est limité. Il faut trouver des instruments qui se basent sur le contexte et la connaissance améliorée. Donc, il s'agit d'une option. Nous n'avons pas les ressources de financement, les capacités, alors c'est là que c'est difficile. Ce n'est pas le cas. Voilà, on peut trouver des activités basées sur l'activité. Merci beaucoup. Je vois qu'on a encore 2 minutes et j'ai encore 2 questions. On voit si on arrive à répondre à une question dans 1 minute. Une question est reliée au rôle des entrepreneurs locaux et le réseau des entrepreneurs. Est-ce que vous avez travaillé avec eux? Est-ce que vous les avez inclus dans l'initiative? Voilà la première question. Et je vais déjà poser la seconde qui est liée à l'accès à la protection sociale pour les réfugiés avec lesquels vous avez travaillé. Est-ce que vous êtes parvenu à leur donner accès au travail, à la protection sociale? À vous les réponses. Laissez-moi commencer par la deuxième, donc la protection sociale n'a pas été le point central, l'objectif central, mais on a travaillé sur ce point en relation avec le contexte. Je pense qu'on a suivi de près la protection sociale aussi concernant l'expertise des jeunes, le réseau des entrepreneurs locaux et comment vous les avez engagés dans les activités. Oui, on souhaitait avoir un engagement plus grand. Et là, c'est une leçon qu'on peut tirer. On a encouragé les jeunes qui faisaient partie des universités. On avait 100 réfugiés, 100 jeunes locaux. Presque tous les jeunes locaux ont abandonné les programmes. C'était tous les 2 semaines, ils devaient venir. C'était le soir. Et ils voulaient travailler avec ces jeunes et enfin, ils ont abandonné les programmes. Ce qui a vraiment tiré bénéfice, c'était les organisations non gouvernementales, les universités de leur communauté. Et ils ont travaillé étroitement avec ces jeunes. Ils ont tiré bénéfice. Et même leur entrepreneuriat a tiré bénéfice parce que c'était ceux qui avaient le business. Parce que les jeunes migrants ne peuvent pas avoir un compte bancaire ou bien sûr, ils ont des limitations. Mais il y a des limitations véritables. Et donc, en trouvant un partenariat avec ceux qui organisent, ceux qui facilitent, ils étaient à même de faire quelques-unes des activités, de commencer à lancer quelques activités. Thank you very much, merci Charles. Beaucoup. Merci beaucoup, Charles, pour avoir partagé avec nous cette expérience et aussi pour avoir parlé de l'expérience des réfugiés. Cela nous montre qu'il y a encore des activités qui sont là, qui fonctionnent, qui continuent. Ce sont de belles histoires, de bonnes histoires à écouter. Merci pour avoir partagé vos expériences avec nous. Je sais que c'est déjà très tard pour vous, donc merci vraiment pour la présence, pour la participation. Laissez-moi, c'était mon plaisir, au revoir. Laissez-moi maintenant donner la parole à Shaza de l'OIT de Beyrouth. Bon après-midi, Shaza. Shaza Galeb-Chondi, qui a travaillé dans le programme pour les réfugiés, travail décent pour les réfugiés. Shaza, je pense qu'il a été très intéressant, si vous pouvez parler de l'expérience, et aussi à la fin, comme travaillant dans nos États, il n'y a pas une longue expérience sur comment on peut fournir accès au travail des sans-réfugiés. Et donc, il sera intéressant d'avoir votre perspective sur comment vous avez intégré l'approche pour le travail des sans dans ce contexte en travaillant dans la région et quelles ont été les leçons tirées pour les États arabes. Shaza, merci encore une fois pour votre participation et vous avez la parole. Hello. Hi, Mary.
Merci. Merci. Myriam, vous m'entendez très bien. Bon après-midi, bonsoir à tous et toutes. Merci à Myriam pour la traduction. Et c'est vraiment un plaisir de participer à cet événement. En effet, comme vous l'avez dit, dans la région arabe, nous avons plusieurs leçons. Nous avons une crise actuelle qui est en cours depuis 10 ans dans la région. Nous avons la plus grande crise de déplacés dans la région. Et sans mentionner d'autres crises qui affectent la région directement et indirectement, y compris Myanmar. Et bien sûr, l'impact de la crise syrienne sur les pays voisins inclut le Liban, la Jordanie. Avant de parler de leçons apprises, j'aimerais bien parler du contexte et du travail, du déplacement forcé. C'est vrai que le Liban a plusieurs réfugiés, un grand nombre de réfugiés, mais la population, il y a vraiment une ratio qui est vraiment très grande, de 25 à 30% de la population au Liban sont des réfugiés. Donc voilà, il s'agit de donner des chiffres qui tirent la sonnette d'alarme. Il y a d'autres pays qui ont souffert de conflits internes avec des personnes déplacées intérieurement dans leur pays. Aussi, la crise donc des réfugiés concerne aussi ce cas et aussi une cohésion sociale fragmentée, des systèmes fragmentés en général. Et j'aimerais bien aussi vous donner un contexte concernant la région, le Moyen-Orient. Je parle spécifiquement des pays de l'Asie de l'Est, l'Afrique du Nord, où même si nous avons plusieurs pays à moyen revenu, nous avons plusieurs pays à faible revenu, et il y a de hauts taux de chômage et aussi de fracturation du marché du travail très fragmenté. Les personnes qui ont des compétences, mais leurs compétences ne répondent pas aux besoins du marché. Et donc, il s'agit du contexte de là où nous avons commencé. Et après, la crise syrienne a éclaté et donc a engagé les pays voisins, qui a exacerbé les éléments de crise déjà existants, en soulignant encore plus les difficultés du marché du travail. Donc, ce qu'on a fait à l'OIT, j'ai 4 séries de leçons que j'ai tirées et je veux revenir en arrière un petit peu. Donc, la crise syrienne, déjà, ça fait 10 ans et notre expérience, pour être précis, prend à peu près 6-7 ans de travail, d'engagement dans ce secteur et la réponse à la crise syrienne, mais nous avons aussi vu d'autres crises sur lesquelles nous avons travaillé. L'une des premières leçons que nous avons apprises, encore d'une perspective très spécifique de l'OIT, se pencher sur les résultats immédiats, c'est-à-dire commencer par des projets qui peuvent nous porter un espace. L'OIT a des bonnes expériences dans les différentes régions et la collaboration entre l'OIT et l'UNHCR, la CNUR, et n'est pas le seul partenaire qu'on peut penser dans les agences ONU lorsqu'il faut songer à des questions liées aux migrants. Maintenant, nous avons des partenariats, mais il y a 10 ans, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas la première chose à laquelle on pouvait penser, inviter l'OIT à parler des questions liées à répondre pour la réponse aux migrants. Alors, nous avons compris qu'il y a des défis très importants et à partir du premier jour, on a vu que la crise a eu une longue durée avec un impact non seulement sur les migrants, mais aussi sur la population locale. Nous avons compris du premier jour qu'on ne pouvait pas aborder ces questions d'un point de vue seulement humanitaire. Donc, je vous donne quelques exemples spécifiques des projets pour les
lequel on montre l'habilité de l'OIT à répondre aux crises et fournir des résultats immédiats. C'est-à-dire avant tout l'investissement pour l'emploi. On a commencé avec les ressources internes, comme dans ce temps-là, ce n'était pas simple d'inviter les bailleurs de fonds, les convaincre. Et on a vu plusieurs agences humanitaires, donc on a présenté un modèle pour dire qu'il s'agissait d'un meilleur modèle pour assurer les droits des travailleurs. Et je vais toucher sur d'autres perspectives d'emploi pour assurer la durabilité des actions d'employabilité et les infrastructures. Cela a pris du temps, mais pour convaincre les bailleurs de fonds, en utilisant nos ressources internes et en assurant que ce modèle porte des résultats pour les infrastructures et pour créer des emplois qui peuvent porter bénéfice à plusieurs, cela nous a permis d'avoir une voix. Et aujourd'hui, après la mise en œuvre du programme AgriProgram en Jordanie, nous avons, on peut dire justement qu'on a été à même de créer 1,5 million et on a bénéficié de milliers 20 000 migrants avec des interventions spécifiques. Alors, l'OIT a vraiment vu cette opportunité, comment transformer une crise dans une opportunité. Et on a commencé en introduisant dans la région MENA, même si l'OIT avait déjà une expérience extensive dans d'autres régions. L'une des raisons, c'était comme le coût du travail sont plutôt élevés. Nous avons été à même d'utiliser cela pour la crise des réfugiés dans l'intérêt des bailleurs de fonds, donc non seulement pour créer des opportunités, mais aussi pour avoir une perspective et pour un travail décent, donc pour le standard de qualité. C'était vraiment une opportunité énorme pour nous pour prouver la valeur de ce modèle. Un autre exemple que j'aimerais bien vous fournir concerne les activités d'entrepreneuriat, d'intervention ciblées spécifiquement pour les jeunes. Nous avons une histoire très intéressante des collègues. Il s'agit d'une zone d'intervention très utile dans le contexte de crise. On a dû s'adapter, comme cela prend du temps, donc adapter pour la mise en œuvre des programmes. Et ce qui a été très intéressant, l'exemple que nous avons au Liban, on a travaillé sur un programme de construction d'épées sur la base d'un travail mené par d'autres agences et nous avons recueilli des jeunes les plus vulnérables. Donc, nous avons appliqué des critères vraiment étroits pour la sélection des zones les plus vulnérables des privés et pour fournir leur une formation et de manière à leur faire participer à la formation ensemble. L'idée était de réunir les réfugiés ensemble et commencer une formation en adaptant un modèle de My First Business, donc ma première activité. Donc, nous avons été vraiment étonnés de voir les résultats. Les jeunes ont travaillé ensemble et cela leur a permis de parler, d'avoir une communication et d'oublier leurs différences. Les tensions qui existaient dans leur communauté. Et ils ont compris l'idée donc, de comment songer aux activités et des activités sur le terrain qui peuvent vraiment aider la communauté, comment songer à la communauté. Et même si c'était une petite intervention du point de vue de l'argent, cela a eu un impact important, énorme sur les personnes, sur la construction de cohésion sociale. C'est peut-être un exemple qu'on pourra répliquer et élargir au niveau du pays, mais il sera difficile parce que la tension sociale augmente et l'instabilité sociale et politique augmente encore. Mais quand même, c'est un très bon exemple à donner pour
montrer le fait qu'on peut avoir des résultats sur le bref, sur le court terme et, ou presque immédiat dans des scénarios comme celui-ci. La deuxième leçon que je voudrais partager avec vous est la suivante. On pense aux résultats immédiats, mais il faut constamment considérer les synergies possibles pour avoir une approche multisectorielle. Et c'est, on en parlait du point de vue de l'approche coordonnée, cohérente de l'OIT, et on l'a déjà mentionné plusieurs fois. Mais je vous donne un exemple concret. Ces personnes, je vous ai dit, sont employées pendant des périodes assez courtes de temps, de 40 à 60 jours. Mais qu'est-ce qui se passe après les 40 jours? Ça a été un défi pour nous. Tout le temps, on augmente leurs attentes. Ils se sentent bien satisfaits, réalisés, parce qu'ils ont finalement un revenu. On arrive même à avoir 20% de femmes comme bénéficiaires qui travaillaient dans des secteurs qui étaient dominés par les hommes. Et qu'est-ce qu'on fait après les 40 jours? Bien sûr, il s'agit de personnes non qualifiées ou semi-qualifiées. On leur fournit une formation durant le travail pour le projet spécifique. Mais qu'est-ce qui se passe après? Alors, certains et certaines de ces réfugiés se sont rendus compte que, même dans leur communauté locale, mais dans le cas des Syriens en particulier, ils ont eu leur certificat. Ils ont travaillé dans ce programme et ils ont dû apprendre d'autres compétences. Ce qu'on veut faire, c'est utiliser une perspective sur le long terme comme carrière. On voudra bien collaborer avec les agences d'emploi, avec l'assistance de l'OIT et faire le trait d'union avec le système de développement des compétences et de formation, parce que la plupart d'entre eux ont dit qu'ils voudraient développer leurs compétences, suivre des formations pour avoir plus de possibilités d'emploi et augmenter leur employabilité. Et l'OIT a lancé beaucoup d'outils qui pourront être utilisés comme des modèles à suivre pour nous, pour prévoir comment on peut continuer ce parcours. Il y a aussi des projets qui vont au-delà de l'approche thématique et sectorielle. Par exemple, il y a l'exemple de l'Irak où on travaille avec l'UNICEF, avec les jeunes dans certains centres jeunes et avec des formations sur les compétences de base, le développement des compétences de base, et l'OIT est entré en jeu pour collaborer avec l'UNICEF en fait, en fournissant des formations pour l'entrepreneuriat sur le long terme dans le cadre de ces parcours de développement des compétences. Alors certains des réfugiés qui ont suivi nos parcours et nos programmes pourront bénéficier de ces projets, de ces programmes aussi. Mais quand on a commencé à travailler avec les jeunes, dans les centres des jeunes, et quand on a commencé à parler avec les jeunes, on s'est rendu compte que même dans notre projet, les jeunes peuvent avoir un rôle encore plus important. Et là, c'est la chose positive de travailler en synergie. Tu te rends compte de beaucoup de choses. Il y a des ingénieurs, par exemple, chez les jeunes. Il y en a pensé qu'ils pouvaient jouer un rôle de point focal, finalement, et pourrait jouer comme une fonction de liaison entre les différents acteurs et la communauté aussi, pour mieux comprendre les jeunes et les projets en particulier. Le troisième point, la troisième leçon à tirer concerne comment utiliser ces réponses plus immédiates sur le court terme. Alors, il faut considérer les défis plus structurels au début et chercher des activités qui peuvent avoir un impact immédiat, mais aussi sur le long terme. Je vous ai fait l'exemple de la région arabe, et une région qui est fortement marquée par beaucoup de défis, beaucoup de challenges du point de vue de la gestion de la crise des réfugiés et des déplacés. On l'a vu, on l'a dit aussi Myriam, et on le dit toujours, ce n'est pas seulement une question qu'on se pose pas nous-mêmes. Est-ce qu'on devrait trouver et créer l'espace
pour cela, ou bien devrions-nous nous concentrer sur des questions plus politiques et non pas sur le long terme et non pas sur des interventions avec un objectif et des résultats plus immédiats. Ce qu'on a essayé de faire dans les États arabes, il faut admettre aussi que beaucoup de financements ont été adressés, affectés vers ces activités là au niveau international, mais on a cherché de transformer ces crises en opportunités pour nous, pour être en mesure aussi de commencer à décliner nos interventions avec une perspective plus sur le long terme. Le VIP projet est un projet d'entrée, on pourrait dire, pour fournir les opportunités qu'on vous a déjà dites. Mais au travers d'autres projets aussi, on a commencé à parler de l'informel, de l'informalité. On s'est rendu compte, on le savait déjà, mais on a eu la confirmation du fait qu'il y avait beaucoup d'informalité dans le secteur de la construction, par exemple. Alors cela nous a ouvert la porte sur la question comment pouvons-nous gérer l'informalité pour les réfugiés et les déplacés. Alors on a essayé de considérer la question des permis de travail. Les réfugiés syriens qui travaillaient en Jordanie au début sans permis, ce qui les exposait à des vulnérabilités et bien sûr du point de vue des exploitations, de mauvaises conditions de travail. Alors on a commencé à penser, à définir et à concevoir un modèle pour définir la possibilité d'avoir des permis de travail flexibles dans l'agriculture et dans la construction. Et effectivement, on a eu de grands résultats. Quand on pense au secteur de la construction, au secteur de l'agriculture, qui était une autre focale sectorielle, on s'est rendu compte qu'il y avait des violations importantes par rapport aux conditions de travail, à la santé, à la sécurité. Alors, on a considéré cela comme porte d'entrée aussi. On s'est dit, on ne doit pas seulement assurer tout type de travail pour n'importe quel travail aux réfugiés, aux déplacés, mais des travaux décents avec des conditions spécifiques. Alors, on s'est pu mettre en contact avec les parties prenantes pour discuter à propos de cela, pour comprendre ce qui était nécessaire, comme par exemple l'inspection de travail. Et en Jordanie, on est en train d'analyser les lacunes existantes dans les législations qui existent vis-à-vis de la convention qui concerne l'inspection de travail dans l'agriculture. C'est en Jordanie. On a commencé à travailler dans le secteur de l'agriculture en Jordanie parce que c'est un secteur qui donne un travail à beaucoup de réfugiés. Mais parfois, on se rend compte qu'il y a des lacunes, des vides importantes. Des vides importants, comme c'est le cas aussi du Liban. En Jordanie, il a été à appuyer l'établissement d'un décret sur l'agriculture pour améliorer les conditions de travail dans ce secteur et pour augmenter les salaires. On est en train de faire une révision législative au Liban pour voir ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions des travailleurs dans le secteur. Il y a beaucoup d'exemples. J'ai aussi beaucoup d'exemples intéressants de l'Iran. En Irak, les jeunes ont vraiment du mal à avoir accès au crédit parce qu'il faut avoir une éducation et une alphabétisation financière pour le faire. Et le système est très difficile du point de vue de l'accès. Et au lieu de cibler seulement les réfugiés et parler avec les fournisseurs de services, des subventions ou des crédits pour les réfugiés seulement, on a parlé avec la Banque centrale en Irak. On a essayé d'attaquer les causes structurelles et les défis structurels qui entravent l'accès au crédit par tout le monde, non pas seulement par les réfugiés et les déplacés internes ou externes. Myriam, je pense que tu es en train de me dire que je dois finir. Oui, je sais que c'est très, très intéressant. Je dois dire que je me sens mal à t'interrompre, mais il faut respecter le temps parce qu'on est déjà en retard de 5 minutes. Alors, je te demande, s'il te plaît, d'arriver à conclure en 1 minute. Oui, je vais conclure en 1 minute. Tine a déjà fait mention des partenariats. Et ce partenariat a été conçu sur le concept de l'opérationnalisation du Nexus dont on parle pour créer cette synergie entre les acteurs. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, on a aussi entendu beaucoup d'exemples, de bons exemples de la collaboration HCR-OIT. Je voudrais rebondir sur le fait qu'on ne peut pas faire tout ça tout seul, l'OIT.
Il faut collaborer avec d'autres, HCR et d'autres, l'UNICEF et d'autres agents et acteurs humanitaires et d'autres partenaires encore, la Banque mondiale, etc., pour pouvoir effectivement toucher et aborder les challenges et les défis à relever sur le long terme, ce qui compte vraiment pour créer une approche durable pour tous, pour la communauté locale, les réfugiés et les déplacés. Je vous remercie de votre attention. Merci, Shaza. Il est toujours très intéressant d'écouter et d'entendre les expériences des pays arabes. L'OIT n'a pas été la seule ou l'agence la plus logique à laquelle on pense, plus immédiate à laquelle on pense, mais maintenant elle a été bien présente. On l'a vu dans votre expérience et l'expérience de vos collègues, et je pense qu'il est très intéressant parce que on vous entend ici, mais en même temps c'est aussi quelque chose que les autres collègues ont déjà dit, cette approche holistique, le partenariat, la collaboration nécessaire avec d'autres agences et d'autres partenaires. Alors Shaza, merci bien encore pour avoir partagé votre expérience qui est très enrichissante. Sans plus m'attarder, je pense qu'il est temps d'arriver à voir des remarques conclusives par les facilitateurs et Mito Tukaboto travaille auprès de l'OIT, la branche investissement. Mito, vous avez la parole pour conclure et pour nous donner des remarques conclusives. Merci Myriam, c'est vraiment pas facile à faire. Hein. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les intervenants pour cette discussion, cet échange, très enrichissante. Il est très intéressant pour comprendre ce qu'on peut tirer comme leçon, mais aussi les opportunités à l'avenir. Je pense qu'il faut reconnaître que la liste de pays qui se trouvent dans ce scénario est une liste croissante. Le partage d'expériences est fondamental et on a vu qu'on peut avoir d'opportunités de travail pour les réfugiés et pour les communautés d'accueil ou les populations d'accueil. La dignité, les droits économiques, sociaux, de travail, ces leçons nous montrent qu'il est possible d'arriver à traiter, affronter, aborder certaines inégalités malgré les difficultés, les vulnérabilités de certaines couches de la population, les réfugiés et les déplacés en particulier. On peut quand même le faire. Il faut considérer les effets positifs que ces actions peuvent avoir sur le court, sur le bref, sur le court et sur le long terme. On utilise le modèle de l'OIT pour la promotion de la justice sociale, pour la création de travaux décents pour toute catégorie de travailleurs, y compris les personnes déplacées forcées. J'essayais de résumer certains points que j'ai marqués durant la discussion. Tout d'abord, le besoin d'augmenter la formalisation, la protection des droits des réfugiés, des migrants, d'autres populations, y compris la communauté locale. La création d'opportunités intensives d'emploi pour les réfugiés, dans les cas, par exemple, on a vu de la Mauritanie, opportunités de travail pour les mineurs non accompagnés, c'est notre collègue de Bangkok qui en a parlé, et l'approche business sur l'entrepreneuriat, ready to business. Affronter, relever les défis du marché du travail, comme Shaza l'a dit, la crise syrienne, et comment gérer l'approche du travail décent dans la crise syrienne pour avoir une approche sur le bref, sur le court terme, avec des résultats immédiats, mais aussi avec une perspective plus sur le long terme. Des travaux temporaires qui peuvent se transformer en perspectives de formation plus longues et plus durables. On a fait référence à la FTP, on a fait référence à l'entrepreneuriat et d'autres volets encore. Le partenariat qui est nécessaire, l'importance d'utiliser les outils existants pour augmenter l'employabilité dans plusieurs secteurs, l'importance d'utiliser une approche humanitaire, mais aussi une approche humanitaire qui se transforme en approche plus durable. L'exemple des réfugiés qui travaillent dans les cadres et qui se forment dans les cadres de la FTP, on a eu des exemples concrets aussi.
L'exemple de HCR aussi, les acteurs humanitaires qui peuvent avoir du mal à mettre en œuvre certains programmes qui ont besoin d'une collaboration. La collaboration interagence a été soulignée par tout le monde. Les bénéfices aussi de travailler non pas seulement sur la population de réfugiés, mais aussi avec la communauté locale. Et finalement aussi, comme je l'ai déjà dit, on passe d'une intervention immédiate à une intervention sur le long terme. Il est très important d'avoir cette perspective pour garantir la durabilité. Alors, quels pourraient être les messages, les trois messages clés que je voudrais vous laisser? Et ça fait partie de la fin de mon propos. L'OIT est le cadre de normes pour la protection des travailleurs et toutes les conventions et recommandations à tous les principes de l'OIT s'appliquent aussi aux réfugiés s'ils sont travailleurs. On l'a déjà dit, Federico l'a déjà dit au début de notre webinaire, l'OIT a adopté la recommandation 205 en 2017, ce qui pourrait être considéré comme des principes directeurs. Des normes, des instruments plus innovants qui fournissent des orientations aux pays membres, aux praticiens et aux autres acteurs qui travaillent dans des scénarios fragiles pour prêter attention aux groupes particulièrement vulnérables, y compris les groupes qui sont à l'étude dans ce webinaire. Deuxième point qui a été souligné est le travail des sons et la contribution du travail des sons pour la transformation structurelle, l'exemple qui a été donné par Charles Bodwell. Le tripartisme et les institutions qui collaborent avec l'OIT peuvent travailler ensemble pour la réalisation du travail des sons dans des scénarios de conflit et pour garantir que les réfugiés et les déplacés soient toujours pris en considération. L'OIT travaille avec les partenaires sociaux, les mandants, les gouvernements, tous les ministères, non pas seulement le ministère de l'Emploi, ça dépend du secteur, pour trouver des solutions visant le travail des sons, y compris, bien sûr, les déplacés internes et aussi à l'étranger. Nous considérons les droits de base et la protection du bien-être des personnes, l'importance de protéger leur dignité. C'est un engagement. Parce que les réfugiés et les déplacés peuvent aussi représenter de nouvelles compétences et des opportunités pour les communautés d'accueil. Ces personnes-là peuvent contribuer en amenant leur potentiel dans la communauté. On a eu beaucoup d'exemples de collaboration entre les réfugiés et la communauté locale et les bénéfices et les avantages qui découlent de la présence des réfugiés dans des communautés et du travail que les réfugiés peuvent faire avec la population locale. On a parlé d'opportunités d'emploi, d'activités qui peuvent être utilisés aussi pour relever les défis du marché de travail, alors qu'il n'y a pas d'adéquation entre la demande et l'offre. On a besoin de services et d'outils pour garantir la diversification et des activités en particulier pour augmenter la possibilité d'avoir accès aux services essentiels, aux services de base, l'eau, par exemple. On a vu, par exemple, dans la pandémie COVID, que l'accès aux services dans certaines zones, en particulier les zones reculées, peuvent être un challenge. Alors, on a besoin de services et d'infrastructures sur cela. Et finalement, la vision sur le long terme. Ça fait partie du Nexus. On l'a mentionné, en fait, plusieurs collègues l'ont mentionné. Des initiatives sont fondamentales pour avoir des réponses socio-économiques de récupération et notamment dans les scénarios plus fragiles. Pour arriver aux résultats souhaités, pour réduire le côté, le volet humanitaire, il est très important de définir des perspectives sur le long terme pour qu'il y ait une contribution sur le long terme positive à la paix. Des approches localisées seront nécessaires, mais des approches qui peuvent être aussi répliquées, tout comme elles ont été répliquées dans d'autres pays. On se base sur
La discrimination, l'inégalité dans l'accès aux services et aux ressources, ce qui doit toujours être pris en considération. Il y a des personnes qui ont mentionné la publication, les publications toutes récentes qui peuvent être utilisées comme orientation pour garantir la cohésion sociale et le maintien de la paix entre les réfugiés et les communautés locales. L'OIT a plusieurs initiatives dans son portefeuille et plusieurs programmes qui se basent sur l'accès, l'entrepreneuriat, l'employabilité des jeunes, des femmes et d'autres volets encore. Ça fait partie, on pourrait dire, du mandat de l'OIT. Nous sommes tout à fait à disposition pour créer de nouvelles collaborations pour savoir comment nous pouvons travailler ensemble avec les acteurs existants et d'autres acteurs pour comprendre ce que nous pouvons faire ensemble et en synergie pour notre vision globale sur le long terme. Le multilatéralisme est fondamental. L'OIT fait partie d'un système multilatéral, comme on l'a déjà dit, et on a collaboré avec beaucoup d'agences et on continue à travailler dans ce sens. Nous savons que les réfugiés et les déplacés forcés sont un problème croissant lié à beaucoup de causes, comme les conflits, les désastres, les catastrophes climatiques et d'autres facteurs encore. Et il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent dans ce sens et il est très important d'avoir une synergie. Il y a des agences qui se concentrent sur le côté financier, sur les investissements du secteur public, privé. Il y aura d'autres agences qui se travaillent sur d'autres volets, l'agriculture, l'environnement, les infrastructures, le développement humanitaire, etc. Ce sont toutes des portes d'entrée. Mais la chose qui est claire est que au centre de cette discussion, comme on l'a déjà dit, nous devons considérer l'individu. Et c'est quelque chose qui doit être considéré par tous les acteurs, la Banque mondiale, l'HCR et d'autres agences qui se penchent sur les différents aspects, mais qui peuvent collaborer ensemble en gardant certains principes clés. Le multilatéralisme est la manière pour travailler ensemble et une approche intégrée est le résultat. On a besoin d'opérationnaliser aussi le nexus dont on parle et on peut le faire seulement en considérant les causes de base des inégalités et aussi en analysant les raisons qui se trouvent derrière les déplacements forcés. Voilà, je pense que le recueil de l'OIT à la fin de 2020 a été une tentative pour analyser et pour recueillir justement de bonnes pratiques qui peuvent être répliquées. Et il y en aura bien sûr d'autres et l'OIT tout à fait reste ouverte à discuter de nouvelles solutions pour gérer la situation des réfugiés, des déplacés en utilisant ces approches de cohabitation pacifique, de cohésion, de justice sociale, de cohésion et toutes les autres approches, comme le travail décent qui doit être l'accent autour duquel les réponses doivent s'articuler. Toute réponse humanitaire aussi. Le recueil veut renforcer la cohésion et la coordination interne autour des différents volets techniques qui sont tous également importants, comme les collègues l'ont dit. Et c'est l'occasion aussi pour réfléchir avec d'autres agences qui sont impliquées dans l'opérationnalisation de l'accès au travail et qui pourront contribuer dans ce travail. Le travail décent pour les réfugiés, pour les déplacés, et l'OIT est tout à fait reste à disposition pour que cela se concrétise, notamment pour les réfugiés, pour les migrants et pour les personnes déplacées. Merci bien, Myriam. Merci bien, Mito. Merci. C'est une inspiration, vraiment. Nous invitons tous les participants et participantes, s'ils ne l'ont pas encore fait, à lire la publication. Et après ce webinaire, nous allons vous envoyer un message avec le lien, bien sûr, pour télécharger la publication et un lien avec un lien aux différentes vidéos. Si vous souhaitez les voir à nouveau, on a déjà
enregistrer les vidéos en anglais, en français et en espagnol. Alors, si vous voulez, vous pouvez partager ces vidéos avec vos partenaires, vos collègues. Vous pouvez passer le lien qu'on va vous envoyer. Merci bien, Mito. De vos conclusions, et je voudrais aussi remercier tous les collègues qui sont encore là avec nous et qui ont participé à ce webinaire qui a été vraiment un succès. On a reçu des commentaires très positifs. Hein. Merci aux participants qui ont aussi exprimé leurs idées, leurs remarques. Et si vous pouvez allumer vos caméras simplement pour leur voir, pour notre au revoir, de façon qu'on puisse voir vos visages avant de se dire au revoir. Et on a eu la chance d'avoir des collègues qui se sont connectés depuis plusieurs parties du monde, de la Colombie, de la Turquie, de l'Indonésie, de la Mauritanie. Je pense que j'ai la Turquie, je l'ai dit. Alors, toutes les... Voilà, je pense que j'ai déjà dit tous les pays d'où on était connectés. Finalement, on était connectés de tous les continents. Et merci aussi aux collègues de Genève. Je voudrais aussi remercier les interprètes qui ont rendu possible ce webinaire avec un public tellement ample. On a eu l'interprétation en français, en anglais et en espagnol. Les interprètes vous remercient de l'écoute. Et je remercie aussi les collègues du Centre international de formation, Michaela et Marion, qui m'ont aidé à organiser le webinaire. Et merci tout le monde d'avoir été avec nous. Une très bonne soirée ou bonne journée. Et je suis sûr qu'on restera en contact, qu'on se reverra très tôt. Alors, on va vous envoyer la liste avec toutes les publications qui ont été mentionnées et l'enregistrement de la vidéo. Merci bien encore. Bonne soirée, bonne journée tout le monde. Merci à toi, Myriam, pour ta facilitation. Merci. And on time, it's 6 p.m. Exactly. Thanks, Myriam. Thanks a lot, everyone. Bye-bye.